Bonsoir à tous, c'est Kali. On va continuer Chains of Sinnar, on approche de la fin. J'avais pas réussi à terminer l'étage des scientifiques, il manquait quelques trucs. La mine, que j'avais pas réussi à rentrer dedans, mais je pense qu'il y a moyen de maroufler. Il y avait aussi la machine pour créer la clé, mais il faut le ravitailler en éléments. Donc je suppose qu'il faut d'abord passer par les mines. Et il y avait aussi une lanterne proche d'une caverne avec l'inscription où on pouvait traduire le mot monstre, peur, ce genre de choses. Je vous propose d'aller vérifier ça tout de suite. On charge, ce serait con d'effacer. On va se rappeler la mine. Où est-ce que ça peut être? C'était tout en bas. Voilà. Je crois que c'est par là. Exactement. Donc il y a... Pardon. Donc il y avait ça, il me faut une carte et tout ce que j'ai c'est des couverts en argent. Comme ça si je trouve un vampire, ça je pourrais m'en occuper. Ça mène où ça? Hop là on va revoir mais normalement ça nous ramène au deuxième étage où j'étais au départ. Juste pour se remémorer parce que c'est un peu labyrinthique. Donc, la bibliothèque. Allez, let's go! Allez voir en bas à gauche. Et ici, j'ai l'impression que il n'y a rien non plus. Donc, dans cette zone-là, la seule chose avec laquelle je n'ai pas réussi à interagir, c'est ça. Ah, si, voilà. En fait, on a un très court temps dans lequel on peut monter dans le chariot, et c'est ça que j'avais pas fait. Nous voilà ailleurs. Parfait. Et avec de nouveaux logos, j'ai l'impression. Ça pourrait être quelque chose du genre danger. Les cours, et là il va falloir attendre. Parfait. Notre personnage est sans peur et sans reproche. Alors, les deux extrémités sont à l'inverse de celui du milieu. Ah, ok. On a bientôt fini. Enfin, traverser en tout cas. Et ici, nous avons quoi? D'accord, c'est vraiment fermé. Hop là. Ici, on a encore cette croix comme sur la machine où il fallait rentrer les chiffres. Est-ce que si je mets ça? Ouais. Attends!
C'était le schéma de la bibliothèque. On l'a pas griffonné, naturellement. Non. Donc, on ouvre. Ouais, ça se laisse pas tout de suite. Et maintenant? On a un lingot d'argent. La mort, je dirais bien danger, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Fermer, ouvrir. Ok, il nous reste au moins une ou deux pages à gribouiller. Mais ça progresse. Et maintenant on a de l'or. C'est tout? Je voulais tout prendre. Un casier. Lui, il est verrouillé, lui aussi. Les lingots vont nous servir pour les machines. J'ai pas l'impression de pouvoir faire grand chose. Pardon, je me suis mouché. Je suppose que les lingots, ça rentre pas. Par ici, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Non. Ah, il y avait ça. Ben voilà, des cartes d'accès ou quelque chose qui s'en rapproche. On a fait celle-ci. Et on va pouvoir tenter l'autre. Voir ce que ça nous débloque. Ah. Ici, non, il veut pas. Ouais, aidez-moi. Ah oui, il a l'air bloqué. Comment il a fait son compte? Il va peut-être m'aider pour le labo. Ou à trouver un objet. Et ben voilà le briquet pour la lanterne. Tout se décante. Donc j'avais eu une bonne idée en me disant qu'il fallait passer par le chariot, c'est juste que la dernière fois, j'avais pas vu le laps de temps dans lequel on pouvait interagir avec. On va prendre l'ascenseur. Donc maintenant, il va falloir retrouver là où on en était. Il faudra attendre l'ouverture, je sais pas si ça va être bon, on va essayer de passer de l'autre côté.
Non, non, remonte, remonte. Donc on a ça. Alors c'est pas le briquet. C'est l'autre. Voilà, comme ça. Tout est chargé. Et maintenant il va falloir que je trouve la bonne formule. Dans ce cas-là, la lanterne, elle était où? De l'autre côté. On va aller à droite. Aller dans le labo numéro 2. Et je crois que c'était par ici. Exactement. Hop là. Hop, le briquet. Alors, le feu. Ça, ça a l'air d'être l'entraide. L'outil bâton feu, j'irai ça. Faire fabriquer feu et aider. Hop là-bas. On va pouvoir essayer d'aller voir le monstre. On va lui rendre une petite visite. Ah, c'est quoi le code? Ah, est-ce que ce serait pas en fait ça? Le rond, le triangle. Rond, rien, triangle, signe. Rond, rien, triangle, signe. Exactement. Là, on a ce qu'il faut. J'ai trouvé la formule, j'ai trouvé la transformation. Et c'est noté ici. Nickel. Or, argent, carbone. Vers la droite. Ouais, d'accord. Je suppose que là, on va se retrouver bloqué par le monstre. Non, ok. Mais cette machine, elle nous sert à quoi alors? Parce que j'ai toujours pas réussi à savoir ce que ça pouvait faire. Bon, c'est pas grave, vu qu'a priori on a la bonne formule, on va aller se faire la clé. Vas-y, va vers la porte. Non, on va contourner le réfectoire. On va pas attendre 2 heures. Allez, cours, Forest. Je suppose que les derniers glyphes sont derrière la porte.
Parfait. Ah, mais oui. Et comme on a la formule, on a les chiffres pour savoir. Donc, le petit t, le y et le rond. Ah, mais le t, lequel? En haut à gauche. Oui, il n'y a pas celui que je veux. Alors il y a ce rond-là. Je fais ça et... Le rond. Ah, mais ça doit être ça que la... La machine va me servir à traduire, je pense. Elle ne m'a toujours pas été utile, mais elle le serait bien là, vu qu'on n'a pas les mêmes symboles sur les poids que dans mon calepin. Et là-dessus, est-ce qu'on a la traduction maintenant? Feu, transformation, ouais. On a donc pour l'or le T en haut à gauche. Le Y, rien. Et le rond, si je ne m'abuse. Ça, on peut rien en faire. Mais à quoi ça pourrait bien m'aider? Hop, si je refais ça, ça permet de faire des additions et donc de convertir avec ce que les poids que j'ai probablement pour essayer d'aboutir à ce chiffre. J'ai pas le T en haut là. Si j'en fais deux. Hop. Alors en fait, pardon, il faudrait que je retourne voir ce que j'ai comme poids. C'est con, mais on est reparti pour un tour. Et d'ailleurs, je vais juste faire un petit truc. Hop là. Ah bah génial, ça va me faire gagner du temps. Alors, quels sont les poids que j'ai? Donc en fait, si c'est en haut ou en bas, à droite, à gauche, ça change. Je pense que ça doit être les unités, les dizaines, les centaines. Je vais prendre ça en photo. Et ça va m'aider à savoir ce que je vais faire. Hop là. Et c'est fermé.
On va redescendre. Let's go. Allez, allez. On va foncer dans le premier labo. Et maintenant, cette machine. Là, je suppose que ça doit être les unités. Ça, c'est les centaines, d'accord. Donc, pour obtenir... avec les poids que j'ai. Hop là. On remet à zéro. On doit avoir lequel? Le T en haut à gauche. Ça, je vois pas comment l'obtenir. J'ai aucun symbole en haut à gauche, donc hop. Pour le Y. Le Y, on avait dit que c'était un 4. J'ai pas de poids de 2. Donc je suppose qu'en faisant comme ça... Non, comment je vais pouvoir m'arranger avec ça? Le cercle, c'était le combien? C'est un 5. Donc, il est beaucoup trop grand. Si le 1 c'est les unités, ça va. Ah mais après en fait, parce que il y a 4 tailles de poids à peu près, donc je pense que pour lui le Y c'est un 4, donc ça devrait pouvoir se faire. Après il y a 0 sur le troisième rang et ça, donc ça devrait pouvoir se faire tranquillou. Mais en fait, j'ai pas besoin de revenir ici presque. Je vais tenter en restant en haut. En tout cas, pour l'or, j'ai pas besoin de cette machine foncièrement. Si j'ai bien compris en tout cas, comment ça fonctionne. Voyons voir. On avait donc dit... 1 pour les unités. Pour les dizaines, c'est un 4. Et là, j'ai tout ça. Après on a 0 et 1, 5. Argent, or. C'est mis. Pour l'argent, 0. Celui-là, c'est un 8. Comment je
Fais le 8 là-dessus. Alors en tout cas, là c'est comme ça. Et ici, on a le 2. Les unités, c'est facile. C'est ça le 8 pour les dizaines. 1, 2, 3, 4. Si je fais ça, c'est sur les unités. Alors, 4 et c'est un 5. 4 et 5, 9. Ça reste dans les unités. Non, je vais vraiment avoir besoin de la machine. Est-ce que ça garde? Je sais pas si ça. Oui, j'ai l'impression qu'il y a toujours un truc demi. Donc, on va faire des allers-retours. Allez hop hop hop, au turbin. Comment faire? Comment faire? Comment faire? Alors, si je fais 2, 3, 4. Avec à côté celui-là, ça me donne quoi? Ça, c'est pas un 9. Ah si, si. Le problème, c'est que je ne vois pas comment faire plus. En fait, c'est le truc en haut à gauche ici que je n'ai pas dans les poids. Parce qu'il y a en bas à droite, en bas à gauche, en haut à droite. On ne peut peut-être pas se fier à la taille. Là, en haut à droite, maintenant, s'il va me falloir. Je vais faire ça. Il me faut la barre. Pour les unités, on va rien mettre. On efface. Pour les poids qui ont des dessins en haut à droite. J'ai 2 fois 1, 1, 2 et 2, 5. Donc en gros, il me faudrait, c'est ça. Non. 4 et 5. Un 5 et un 3. Maintenant. Pour avoir le 1 en bas à gauche. Sur la photo, j'ai. Quels sont mes poids?
En bas à gauche, bah, j'en ai un. Voilà. Et en bas à droite, j'en ai deux. Donc, je vais prendre ceci en photo. Parce que j'ai pas de papier à position. Clac. Et maintenant, on va se faire l'autre chiffre pour le carbone. Et lui, je me suis peut-être gouré au final, donc il faudra que je le refasse. Bah, d'ailleurs, on va commencer par lui. Attendez, attendez, attendez. Comment je peux me le faire alors que j'ai aucun poids en haut à gauche? Pam 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 pam. Je réfléchis, hein. Alors ça, en fait, c'est pas les unités. Les unités, je pense que ça commence là. Encore que là, c'est inversé par rapport à ici, là. Y a un truc qui m'échappe dans leur façon de compter. En fait, il y a un truc que je comprends pas, c'est que pourquoi ça s'inverse sur le chiffre ici? En fait, ça doit être les unités. Avant, je lisais de gauche à droite, mais en fait, elle doit faire de droite à gauche. Donc, on a dit ici. C'est un 5, et donc si je lisais ce tableau à l'envers, ça explique pourquoi je comprenais pas les choses. Alors, on commence par un 5. J'avais... Non, c'est pas celui-là. On a directement le poids qui convient. Le deuxième, il n'y a rien. Après, on se fait un petit 4 pour en haut à droite. Donc là, il me les faut tous. On est bon. Et maintenant, c'est un 1. C'est en haut à gauche. Et lui, je ne l'ai pas. En revanche, j'ai 2 à droite. Ok, je pense que je comprends. Par exemple, si j'ai deux trucs comme ça, voilà, ça fait la barre du 1. Donc, unité, dizaines, centaines, milliers. Voilà. Je pense que là j'ai compris le truc. On va y retourner et on va essayer de terminer ça comme il se doit. Il y avait un truc qui m'échappait, c'est pour ça que ça fonctionnait pas comme il fallait.
Allez, grimpe. Petit voyageur. On y va, on y va, on y va. Nous y voilà. Donc là, normalement, il y a le premier. Mais on va annuler. On va tout reprendre depuis le début. Parce que je pense que c'était pas bon. On l'avait donc dit, ici, il nous faut un 5. On l'a. Ensuite, rien. Et là, il nous faut un 4. Donc, on fait ça. Sauf que il nous faut aussi le 1 ici, donc paf paf. Et ça, c'est pour l'or. Hop, on sélectionne l'or. On envoie la sauce. On remet tout dans le bousin. Là, il nous faut un 2. Ensuite, une dizaine. Ça, c'est un 8. Pour les centaines. Alors, comment je peux faire ça? 5 et 3. Et rien du tout. Donc, on a le 2. Voilà. Le 1. Et ça m'a l'air bon. Donc là, on est sur l'argent. Maintenant, il va nous falloir le carbone. On enlève tout ça. Et donc, ce symbole-là, c'est un 6 pour les unités. Avec un 4 pour les dizaines. On l'a dit. 6. Hop, hop. Et un 4 pour les dizaines. On est bien sur le carbone. On envoie. On valide. Et on va pouvoir tester la clé. Non, je range plus les poids maintenant. Yes. Il n'y a personne qui vient voir. À croire qu'ils sont blasés. On a une nouvelle langue. Le truc, c'est que j'ai même pas fini celle des scientifiques. Là. Ça, ça pourrait être humain. Ça, pourquoi pas des veaux. J'en suis pas certain. Parce que c'est à l'étage où seraient, on va dire, les guerriers globalement. Les humains dehors, les dévots ici, les guerriers, les élus, les scientifiques. Et après, ceci.
Ah. Observer la foule. Alors, je dirais ça. Éventuellement ça. Et par déduction, ce symbole-là, observer peut-être, espèce de V. Ça, ah non, c'est ce que j'avais mis sur la tour. Mince. Je pense que ça reste quand même bien la foule. Ah, est-ce que... Hop. Ça pourrait être tatatac, observe. Je pense pas que ce soit le V au final. Je pense pas que ce soit ça non plus. Peut-être ceci. Non. Bon, je vais continuer et puis on verra bien. On a deux passages. Salut toi. Ouais, ça m'aide pas. Lui, on peut pas lui parler. Rien observer. Pour moi, ça, c'est ça. Voyons voir par ici. Ah bah un terminal. Avec un peu de chance, je pourrais faire une traduction. Un élu avec personne. Et d'ailleurs, il y en avait que j'avais commencé à traduire, mais j'avais pas terminé. Alchimiste, tintin, pluriel, chercher vouloir mort. Alors, eux, ils appellent les alchimistes des scientifiques. Ah non, pluriel scientifique. Je connais pas ce mot-là, j'ai toujours pas trouvé. Quelle est l'idée derrière ce logo par rapport aux autres? Chercher vouloir. Or. J'arrive pas à décrypter l'idée. Il y a des. L'angle dans lequel c'est plus simple. On va mettre la négation. Je pense pas que ce soit ça, mais la mort, c'était quelque chose par là. Oh, pas mal.
Donc ça. Il s'affiche pas, c'est dommage. Les guerriers n'ont pas peur de l'impur. Où sont les guerriers? Je crois que j'ai pas encore leur logo. Dommage. Mais en tout cas, ça progresse. Et ici. Les plantes meurent. Ah, j'ai toujours pas le logo des plantes, en fait. Ah, est-ce que ce serait pas le carbone? Bibliothèque, mine, pluriel. On va mettre le carbone, pluriel. Non, c'est pas ça. Je vais aller me promener pour vérifier si je peux pas croiser des personnes qui vont me donner de nouveaux glyphes. J'ai pas l'impression, mais on sait jamais. Les guerriers fermant la porte. Ah, attends. Ah oui, non, si, c'est par là où je suis arrivé au début. Et on a atteint celui-là. Ok. Là, on a aidé, toi, aidé, porte. Mort, allez. Oh, aidé, toi. Comme j'ai pas encore toutes les traductions, ça va être compliqué. Pour le moment, je peux rien faire sur cette tête là. Voyons voir tout ça. Homme humain, et ça, je suppose que. Ça va avec. Attendre pluriel pas salutation. Ah, je pense qu'il faut remettre toutes les différents mots en lien. Le
Ça, c'est la négation, on l'a vu tout à l'heure. Ça, c'est le pas. Ouvrir, peur, pluriel. Il faut essayer de tout réaligner. D'accord. Bon. Tant qu'on n'a pas toutes les traductions, ça va être compliqué. Et on a trouvé celui-ci. Donc ça, c'est pas négation. Je suppose que ça aussi peut-être. Et ça. Il faut la clé violette. Ça, c'est la même chose que de l'autre côté. Bon, on va continuer à explorer les autres endroits. Je vais retourner au tout début et je vais passer de l'autre côté. Alors ça plutôt. J'avais mis tout au début, mais en fait ça doit être fermé ou quelque chose comme ça. Vu le gros rouge. Et ça, ce serait peut-être la tour. Non. Le problème, c'est que là, je sais pas s'il l'observe, s'il est bloqué ou quelque chose comme ça. Tour, peuple, exil. Ok. En même temps, vu que c'était le logo dessus, ça aurait dû même mettre la puce à l'oreille. Je me suis surtout concentré sur les étages et les peuples qu'il y avait à l'intérieur, alors que j'aurais pas dû. Ah, est-ce que ça, ce serait pas salutation? Vu qu'ils commencent tous avec ça. Le reste, en revanche... Et je ne peux rien faire avec ceci. Ce serait gentil de m'aider un peu plus que ça. On a compris le principe. Homme humain, chercher vouloir clé, moi, faire fabriquer, parler. On met ça comme ça. Clé. Faire fabriquer. Faire fabriquer, homme humain, non, ça va pas ensemble. Oh! Oh, mais c'est balèze ça! Ah oui! Moi, parler, clé, chercher. On a une sortie ici, et là, je suppose que ça va me rapporter, enfin me ramener là où j'étais tout à l'heure. Ouais. Mais en fait, justement, il faut faire ces terminaux jaunes avant d'avoir toutes les traductions. Et encore, si on peut faire... je suis pas sûr qu'on puisse le faire en ayant tout. Salut, toi.
Hop. Vu qu'on peut pas bouger le bas, salut. Oh. Alors là, c'est du pluriel. Non, ça reste là. Ça, c'est du salut. Toi. Donc là, ce symbole-là, ça serait la mort. Ah oui, c'est pas exactement le même que celui des guerriers. Allez, allez, passez, allez, passez. Il manque des choses. Plutôt quelque chose comme ça. Et maintenant, ce serait celui-là. Alors, allez. Nickel. Et bim! Ça va très très vite. On va se refaire l'autre terminal qui était proche de la sortie. Salutations, pas pluriel attendre. Alors, pas négation. Alors, ce logo-là. Celui-là, ça a l'air d'être salut. Parce que là, le pas. Et le pas négation, ils sont raccords. Donc normalement, ça devrait être la traduction. Et ça, c'est salutations, ça va comme ça. Chez les scientifiques. Je n'ai pas ce logo-là. Toutefois, la barre ou l'espèce de Z barré. Et c'est celui-là qui est bon. L'autre cercle ici, je l'ai pas. J'en suis pas sûr.
Salut, salut. Lui, on ne sait pas encore. Ouvrir, ouvrir. Et ça marche du tonnerre, tout ça. Ben, c'est pas mal. Salutations, tour et exil, peuple, toi. On va pouvoir commencer à discuter avec les autres. Alors, avant d'y aller, celui-là. Homme humain, homme humain, homme humain, ouais. C'est vrai que c'était que ça. Je vais discuter avec les autres pour voir ce qu'ils me disent. Alors, c'était toujours ceux qui ont l'écran animé qui peuvent parler. Tour, ta-ta-ta, va-t'en. Ah oui, d'accord. Ils sont pas très sympas. Va-t'en, moi. Ta-ta-ta, toi. Ils veulent vraiment pas être dérangés. Moi, ta-ta-ta-ta, moi, ta-ta-ta, tour. Lui, je l'avais fait. Et d'ailleurs, au-dessus, il y a marqué quoi? Tour salutation. Ah non, bah alors. Levé, on va effacer la traduction. Et on va voir cette sortie-là. Une clé, un cadenas, une porte. La clé, je l'ai quelque part. Il me manque le deuxième, je pense. À moins que ce soit ça et la porte. Je vais aller chercher un petit peu mieux plutôt que de tout tenter au pif. Oh bah ça promet, ils ont l'air de jouer eux. Nous voilà ici. Bien, bien, bien. Là, on est d'accord, il n'y a pas de traduction à faire. C'est les scientifiques, il me manque des glyphes. C'est pas vraiment là où je voulais aller. Ici, il y avait bien une porte violette. Ouais. Et rien d'autre que je ne puisse faire. D'ailleurs... Ouais non, il me manque toujours bien les glyphes. Parce que je me suis dit, peut-être
Peut-être qu'avec les traducteurs automatiques qu'on a croisés, ça aurait pu m'aider. Ça aurait pu m'en donner sans que je fasse gaffe. Mais non. Je pense qu'il faudrait plutôt que j'aille vérifier dans la mine. C'est l'un des endroits où je suis pas beaucoup allé voir. Let's go explorer, voir s'il n'y a pas un glyphe perdu quelque part. J'ai pas l'impression. Ça, on est d'accord, on peut pas y aller. Peut-être là-dedans que les fiches elles n'apparaissaient pas quand j'appuyais là-dessus, enfin sur le bouton milieu pour révéler les choses. On a que deux casiers fermés. Sur cette machine. On va repartir par la route sécurisée. Ici, il me semble, vers les labos, la grotte. Nous cherchons la formule, nous cherchons la transformation. J'aurais déjà parlé, donc c'est pas eux qui vont me la prendre. Dans l'obscurité, j'aurais pu louper quelque chose. Ça, on l'avait ouvert. Ça, c'était pour dire la formule. Ça, il ne fait que regarder dedans. J'ai juste regardé un petit truc. Non, au fond, on peut rien faire. Et vraiment tout à droite, non plus. Allez, let's go. Allez, prends l'escalier. Ah, oh, ça va bientôt sonner, je pense. Thank you.
crois qu'il y avait une plante à l'intérieur, quelque part. Est-ce que... Non, en fait, il y avait que dalle. Et toi, tu nous dis quoi de souvenir? C'est que c'est le réfectoire est ouvert. Merci bien, on se serait pas douté vu qu'on est à l'intérieur. Et maintenant, quelles sont les indications qu'on aurait? Salutations tour, c'est le même texte qu'il y a sur les comment dire, les traducteurs automatiques. Tour, peuple, exil. Est-ce que ça ne serait pas le peuple que les scientifiques appellent les fées? Les fées, salut, c'était à la tour. Je l'avais pas traduit ce logo. Non, il y en a un qui lui ressemble normalement. Ah voilà, la porte, c'est ça. Les fées sont en exil. On dirait un moulin le dessin. Va-t'en. Et pourquoi on peut zoomer dessus? Ils ont l'air morts. Là-dessus, on a toujours ça. Alors la clé, hop. Est-ce que ce serait pas ça fermé? Non. Les. Hop. Non plus. Clé. Mais j'avais pas trouvé ouvrir. La clé ouvre la porte, oui. Je me suis focalisé sur le cadenas alors que, en fait, non, c'était l'action. Bonjour, tu es celui que j'attendais. Oui. Et pourquoi tu m'attendais? Ça pourrait bien continuer de développer. Allez, allez, moi, papa, pluriel, porte. Et... Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah, je pense que... D'accord, oui.
Quelque chose comme ça fait un nouveau logo. Ouais. Montée, porte, étranger, venir. Oh là! Maintenant, on n'a plus les dessins. Donc là, c'est la mort. C'est pas ça. Donc là, je dirais bien aller mort. C'est pas tout simplement, et là c'est. Non plus. Ah, on peut faire plus de combinaisons que ça. Alors en fait, il fallait mettre tous les glyphes. Mourir, arrêter, ressusciter. Alors, pluriel, pluriel, je verrais bien ça. Pluriel moi, pluriel peuple, chercher, pas chercher, moi et peuple. Ça va, c'est plutôt logique. Les peuples, nous, se désintéresser. Vous avez entièrement traduit la langue des reclus. Bien. Mais je voudrais finir les scientifiques, moi. Et puis, relier tous les terminaux. Ah, les glyphes sont peut-être derrière la porte violette. Ça m'étonnerait, mais pourquoi pas? Mon peuple construit la tour. Des peuples étrangers viennent à la tour. Les peuples arrêtèrent de parler, les peuples eurent des peurs des peuples. Mon peuple partit dans l'exil, nous sommes mourants, la tour est mourante. Je t'ai créé, tu es la clé, aide-nous. Fais que les peuples se parlent, ouvre les portes, stoppe l'exil, ressuscite la tour. C'est ce que j'essaye de faire, mais il manque quelques glyphes. Ah! C'est pas violet, mais ça a la forme. Ici, on voit les différentes portes. On peut pas aller à gauche, ok. Et on peut pas utiliser ça pour se téléporter. Je crois que le terminal était là.
Ah, très bien, ça s'affiche ici en plus. A priori, je dirais qu'il y en a une porte pas loin de cet endroit. Où exactement, je ne sais pas. Elle a arrêté de vibrer. Je suppose que plus on va s'approcher, plus elle va le faire rapidement. On s'approche. On s'est éloigné. Plutôt vers le jardin. Enfin, si c'est bien là. Ah, il y a un truc là. Je ne l'avais jamais trouvé celui-ci. Du calme, du calme, du calme. Observe, vois, regarde. Les bouteilles. Non. Ah non, lui, c'était un pré... Avec cette coiffe, c'est un prêcheur. J'aime pas trop ce que je vois au-dessus là. Bonjour, je suis Exil. Viens à moi, viens dans l'exil là. Il y a aussi un autre passage derrière. Ah non, c'est la sortie. Tu m'as aidé, je vais aider la tour, je vais parler au peuple. Ah, et je suppose que maintenant les terminaux où il n'y avait pas d'interlocuteur, on va pouvoir le faire. Vite, un terminal. Vite, vite, vite. Il était par ici. Et ben voilà, mais il n'y a pas de traduction à faire. Ok. Elle ne brille plus. On va aller voir celle des guerriers et je l'avais déjà repérée.
Ah oui, les gens se baladent maintenant. Enfin, se baladent. Ils se mélangent. Donc on va descendre et je crois que c'était en bas à droite. Ici. On ne peut pas leur parler de toute manière. Ratatan! Qu'est-ce qu'il y a là? Les scientifiques illisibles. On a donc les guerriers qui portent le bateau. Pluriel. Guerriers. Peut-être pousser, mais je crois qu'on peut porter. Porter vaisseau. Et ben heureusement qu'il a l'air pas très bien lui. Tu as peur de mourir? Je t'aiderai. Le peuple d'exil ne meurt pas. C'est pas grave ça, c'est pas grave, c'est triste, mais en aucun cas grave. Ici il y en a un qui s'est éteint. Salutations, tu as stoppé mon exil, mon peuple va ressusciter la tour. Let's go! Et ça ne me dit pas où sont les derniers glyphes pour les scientifiques. J'ai l'impression d'avoir quand même loupé deux terminaux. Alors c'est peut-être moi qui me trompe. Mais chez les élus et chez les scientifiques, il y a une petite tige qui me... sur la carte des terminaux, qui me font tiquer. Ça, on avait déjà traduit. Donc là, il nous manque des glyphes. Et ici, il y a des petites tiges. Ceci étant dit, comme j'avais pas trouvé la porte chez eux, ça va être l'occasion. Ah, peut-être dans les égouts. Ça me refait monter. Chemin vers le haut. Vers l'agora, vers le théâtre, vers le haut. De toute manière, là, j'ai pas 36 000 solutions. On s'approche vers le haut, je vais pas aller vers le haut. Chemin vers le théâtre et la porte là.
Cette salle-là en bas, j'y ai jamais été, je crois. On s'est éloigné. Il faudrait que j'arrive à descendre en bas. À l'étage du dessous. Et si je vais plutôt par là? Ah ah! Ça se rapproche. Oui, il y avait ça que j'avais pas réussi à trouver. La voilà. Mais si, j'étais déjà tombé dessus. Oui, ça, je me souviens de cette stèle. Non, c'est pas ça que je veux, c'est la clé. Avec le masque qui me fait penser à Crash Bandicoot. Les bardes vont vers le théâtre. C'était où? Grèce abbaye feu jouer. Normalement, il y a quelque part avec le théâtre. Un glyphe. Voilà. Ah non. Là pourtant c'est bien le théâtre. Ah oui, mais eux ils font tout à l'envers. Théâtre. Le verbe est à la fin. Oh mince, je me suis précipité. Hop là. Il est de moins en moins content. Ne m'arrête pas, j'aide le peuple. Je suis pas convaincu de ce que tu me racontes. Ah, ou alors les trucs rouges, c'est pour nous dire à quel niveau on est. Au cas où on n'aurait pas capté. Je vais t'aider, je vais stopper l'exil, je vais parler au peuple. J'ai eu un succès à mi-chemin, renouer la moitié des liens. Le problème, c'est que je suis sûr que dans les égouts, il y a un terminal. Mais alors, pour ça, s'y repérer et savoir où il est exactement... Bon Dieu! Le bordel. Ceci étant dit, il doit pas être très loin. Parce que sur la carte des terminaux, il était à proximité du terminal qu'on vient de trouver. Enfin, du terminal. De la porte. Je vais essayer de le retrouver. Si tant est que j'y arrive un jour.
chemin vers le théâtre. Tac. Voyons voir ici. Bon, je le trouve pas, je vais continuer à progresser. Je vais tenter des trucs, ça et là. Ah, on avait ça, donc ça, ça mène vers le haut. Et ici, vers l'agora. On est reparti dans les... Zégou. Vers le théâtre, il y avait une porte. Là, c'est pas ce que je voulais faire. J'ai dit de venir ici. Non, mais reviens. Pourquoi il revient là? Et cet endroit, ça mène où déjà? Ah bah voilà. Avec cette porte qui est toujours verrouillée. On va repartir par ici, ce sera plus simple pour retourner au terminal. Allez, hop, hop, hop. Ici, c'est où? Olé, du calme. J'y retourne pas, moi. Mais... Ils ont fait une mise à jour juste avant le stream et depuis, il y a ce genre de problème. Non mais ici là, voilà. On est bien d'accord que moi, j'ai toujours pas trouvé ces deux là. Il y en a pas vers les scientifiques. Ça me paraît bizarre. Ah si, les scientifiques. Celle des élus. Là, il y a un étage où il n'y en a pas. C'était lequel? Parce que là, les dévots, les guerriers, les élus. Ah, les scientifiques, c'est peut-être les deux en même temps, en fait. Si, il m'en manque. Cela, vous voyez, 1, 2, 3, 4 branches. Et là, on passe à 6. Donc forcément, les petits traits, ils sont pas là par hasard. Là, on l'avait déjà repéré, c'est à côté de la bibliothèque.
Ah non, c'est à l'étage. My bad. Alors je me suis gouré, voilà, c'était ici. Les livres. Bibliothèque, laboratoire. Livre. Comment ils fonctionnent au pluriel? Qu'est-ce qu'ils veulent que je dise là en fait? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Six livres. Fermé. C'était bien ça. Ah ouais, ils électrocutent à distance. Oh non, dommage. Ah non. Le problème, c'est que l'autre, il va... Ah non, c'est bon, il a pris du temps. Graou, graou, je suis un grand méchant. Tu es un étranger. Tu n'es pas de mon peuple. Je t'arrêterai. Mais non, j'ai déjà écouté. J'ai pas, je voulais pas relancer. C'est moi qui ai misclé, je sais, mais... C'était involontaire. Allez, ciao les bambins. Tu as aidé mon peuple va aider la tour, nous allons parler au peuple. Et d'ailleurs, en parlant d'aider les peuples, est-ce que tu pourrais m'aider à trouver les terminaux qui me manquent? J'ai pas l'impression. Passe à l'étage. Normalement, là, on va arriver dessus. On a déjà tout traduit. Mais ça me frustre de pas réussir à trouver les terminaux qui me manquent. Et pourtant, cette zone-là, j'ai déjà bien fouillé à fond, quoi, j'ai l'impression. Ah oui, il faut que je remonte. C'est pour ça qu'il s'est pas TP. Je lui ai dit d'aller là où il était. Dans le trailer, on pouvait rentrer dans cette tête. Oh, oh.
Ne monte pas, si tu montes, la tour mourra. Aide-nous, fais que les peuples se parlent. Donc là, il est en train de me dire... Ouais, le problème, c'est que... Je n'ai pas tout. D'un côté, je pense que ça, c'est fait pour être transgressé. Parce que là, j'ai fait à peu près toutes les... Non, c'est pas ce que je voulais faire. J'ai fait les quatre portes là. Ah, il n'y en a plus qu'une qui vibre. Je t'ai créé, tu es la clé, aide-nous. Il répète son texte de tout à l'heure. Mais pour ça... On va procéder avec ordre et méthode. Du moins, on va essayer. Allez, hop, hop, hop. Là, par ici, je peux pas y aller. Donc, je suis obligé d'aller en bas à gauche. Je n'ai pas le choix non plus. Il y a un endroit dans les égouts où j'ai pas réussi à atteindre. C'était une grille avec un levier derrière pour ouvrir la porte. Non, c'est pas ce que je veux. Je suis sûr que ça se passe ici. Là, vers le chemin du haut. Je suis bloqué. Là, je ne peux pas contourner. C'est un escalier, donc il faudrait essayer d'arriver par en haut. Est-ce que je peux pas aller là, grimper? Ou alors passer par ici. Non, là on s'écarte beaucoup trop. Là aussi on s'écarterait, mais... Ah non, la porte en haut est fermée. Je suis pas sûr qu'on puisse passer là. Il y a aussi la porte sous le théâtre qui est verrouillée et que je n'arrive pas à trouver comment ouvrir. Non, on peut pas aller se baigner, c'est dommage.
faudrait que j'arrive à créer un plan mental, mais... Tac. Là, je suis obligé de retourner en arrière. Donc, c'est proche du théâtre. Il faut garder ça en tête. Je suis revenu là. Si je vais ici... Ça me ramène là. Mais comme je suis en hauteur, si je vais là et que j'essaye de retourner vers le théâtre, bon, j'ai mal cliqué. Bah on redescend. Vers le haut, vers le moulin. Ça serait pas plus simple d'indiquer les terminaux. Vers le haut, vers l'agora, vers le moulin, vers le théâtre. C'est vers le moulin, je crois, où j'ai pas beaucoup exploré dans les égouts. Et comme là on a l'air d'être en hauteur, cette salle me dit vaguement quelque chose, mais ce n'est pas une que j'ai côtoyée longtemps. Si ça on l'avait vu. Être libre, nous voulons. Libre. On va retourner vers le théâtre. C'était ici. Ah non. Peut-être là-bas ou plutôt ici.
vers le haut. Ouvrez! Laissez-moi entrer! Ah! Je voulais pas ouvrir le journal. Théâtre. Oh, tu peux même pas traverser une petite flèche. Je vais ressortir et je vais m'arrêter là, je pense. Je pense que j'ai loupé la sortie, on va bien voir. Ouais, non, là c'était la salle à visiter. Sortir. Comme ça, je ne serai pas perdu pour la prochaine fois. J'ai pas beaucoup exploré le moulin aussi, c'est vrai. Ni ces zones-là. Ça ne m'aide pas beaucoup. Non, c'est pas ça que je voulais. C'était la sortie. Par ici. Chemin vers le haut. Il y avait quoi par ici? Ouais, on allait arriver vers le monstre avec la boussole et tout ça. Enfin, la boussole, les directions. J'ai cru voir un truc. Ah non, j'avais l'impression d'avoir vu un point apparaître et disparaître en haut là, c'est un peu dissimulé. Ah, je voulais pas cliquer dessus. La porte ici, on ne peut pas interagir avec directement. On va donc essayer de voir si depuis l'intérieur, on n'a pas quelque chose à faire. J'y crois pas trop, mais... Est-ce que quand il est en bas, c'est pas ouvert? Non. Et le plus drôle, c'est qu'on peut même pas utiliser l'ascenseur ici. Regardez la pièce. Mais ici,
si je descends. Ah hein. Et bah voilà, c'est ça qu'il me manquait. Là, on a la porte. Je vais activer le terminal, comme ça, ce sera plus simple. Donc là, je te salue, homme. Salutations Bard. Je regarde ce qu'il y a. Ah, homme, c'est celui-là. Des hommes, nous ne sommes pas libres, nous ne sommes pas. Alors. Toi. Ah non, 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 non. On met deux hommes. Il est où être? Nous ne sommes pas des hommes. Est-ce qu'il pourrait aller pour la traduction? C'est toi et moi. Moi, toi, pas. Toi, ah, homme, je fais toi, moi, ah, homme, ça fonctionne pas. Toi, moi, homme, homme, pas. On est bien d'accord, c'est au pluriel. Comment ils formulent leurs phrases déjà? Le nous, il n'y avait pas une traduction.
J'ai trouvé la loupe. La loupe pourrait trouver Dieu. Je vais au cimetière. Je vais en haut. L'homme regarde le dévot. Le dévot regarde Dieu. Je crois que nous, c'est toi et moi. Qui m'échappe là. Mince. Ouvrir, porte, fermée, salutation, toi, aider, Dieu, mort, plante, homme, homme. Le truc, c'est que pour faire nous, il faut dire toi et moi, ou moi et toi. Et pour les hommes au pluriel, il faut le mettre deux fois. Alors, toi, moi, pas homme, homme. Moi, toi, pas homme, homme. Homme, homme, pas toi, moi. Homme, homme, pas moi, toi. Pas toi, moi, homme, homme. Pas moi, toi, homme, homme. Qu'est-ce qui m'échappe, bordel? Parce qu'il n'y a pas le verbe être. On est d'accord, j'ai déjà fait plusieurs fois la liste, mais... C'est ça. Des hommes, nous ne sommes pas. Je vais retourner. Alors déjà. Ça. On va l'ouvrir. On est bien. Le théâtre. Je vais retourner analyser les syntaxes. Tu m'as trouvé. Cherche-moi. Ça m'aide pas. En fait, j'aurais dû aller à l'autre terminal. Je pense que ça aurait été plus simple. Alors déjà... regardez là-dessus la formulation grammaticale. Les guerriers fermant la porte. Donc là, on est d'accord, il y a deux guerriers, dont c'est un pluriel. Les dévots cherchant Dieu, encore une fois ils sont deux, et eux, verbe et paf. Le problème c'est que nous sommes ces verbes être et on ne l'a pas dans les glyphes.
Oui, c'était ça que je voulais faire. J'ai eu un petit bug, pardon. Je pense que la solution est à l'opposé sur l'une des statues, mais je vais quand même aller voir ici. Sur l'épitaphe. Vous cherchez Dieu. Donc on a ça, toi. Vous cherchez Dieu, vous, c'est toi, une seule fois. Avec celui-là, c'est chercher vouloir Dieu, d'accord. L'autre, l'église vous aidera. C'est bizarre parce que d'habitude, le pluriel, c'est toi et moi ou deux fois ce qu'il faut là. Donc le vous avec une seule fois toi, ça me paraît bizarre. Bon après, ça peut être un vouvoiement de politesse. Le prêcheur n'est pas dans le jardin, je ne trouve pas le prêcheur, les plantes meurent, on est d'accord, là il y a deux végétations, donc c'est plantes, au pluriel. Dieu nous aime. Donc on a le L, toi et moi, nous c'est toi et moi. Je vais juste revoir la l'ordre. Normalement, c'est à peu près comme en français. Sujet, verbe et tadada. Et complément. On va dire. Et moi, en fait, dans ma phrase, ce qu'il me manquait, c'était... un verbe, éventuellement. Et celui-là? Ouais. Ah non, les plantes meurent. Oui, non, c'était... à ce niveau-là. On a donc des hommes, nous ne sommes pas. Toi, moi. Pas homme. Elle c'est pas trouver homme. Créer, je pense pas que ce soit ce verbe. Toi, moi. Ou alors, est-ce que ce serait pas... J'y crois pas trop, mais moi, moi. Pas homme, homme. Ok, en fait, c'était juste ça qui me posait problème. Libre, nous ne sommes pas. Moi, moi, pas. Libre. L'abbaye est libre. L'abbaye, je crois que c'était par là. Voilà.
libre est. Alors, abbaye est libre. Pourtant, ils mettent le verbe à la fin. Des hommes, nous ne sommes pas. Libres, nous ne sommes pas. Être. Libre est l'API, il faudrait dire pour eux. Il y a que 3 glyphes, il n'y a pas 36 000 combinaisons. Abbaye libre est. Libre abbaye est. Libre abbaye est ce que je viens de faire. Donc abbaye libre est. Là j'ai fait la forteresse. Ah mais c'est être. Ah oui, là c'était la direction, c'est pour ça que ça fonctionnait pas. Abbaye libre est. Abbaye est libre. Libre abbaye est. Voilà. Quand on utilise le bon glyphe, c'est mieux. Venez à l'abbaye. À l'abbaye. Venez. Ah mais oui, c'est parce que c'est le pluriel avec ça. Donc à l'abbaye. Toi au pluriel, allez, voilà. Quelque chose a changé dans la tour. Et je vais m'arrêter là. Salut bouquin! Je reste pas encore cette fois-ci, no spoil. T'as bien raison, le jeu est cool, j'essaie de sortir du 3ème étage, à plus. Bah écoute, moi je vais m'arrêter là de toute manière. J'ai bientôt fini le jeu, j'ai fait presque tous les étages. Je sais pas si t'es encore là, je sais pas depuis quand remonte ton petit message. Bon, en tout cas, j'espère que pour ceux qui sont restés regarder, vous aurez passé une bonne soirée en ma compagnie. Même si la fin est un peu plus galère. Je vous dis à la prochaine. Ouais, la bonne soirée, voilà. En tout cas, moi, du début à la fin, pour le moment, je me régale sur le jeu. Il n'y a pas de longueur ou de faiblesse, c'est juste des moments où je galère, j'ai du mal à trouver ce qu'il faut faire. Ou certains terminaux qui sont un peu... parce que j'ai loupé un truc en fait. En soi, il n'y a rien de compliqué. Faut juste être très observateur et c'est facile de louper un petit détail. Et quand ça arrive, là tu tournes en rond. Voilà, donc j'espère que vous aurez passé une bonne soirée. Et puis je vous dis tous à la prochaine pour la fin de l'aventure. Et éventuellement d'autres jeux sous l'œil de Kali. Allez, à plus.